les relations entre le CREPS et la ville sont extrêmement importantes. Moi, en tant que maire adjoint au sport, j'ai des relations étroites avec son directeur, monsieur Godard, ce qui est important pour nous dans toutes les actions de la ville, les actions sportives de la ville. Et là, en ce moment, évidemment, la SOP, qui a accueilli de nombreuses écoles primaires de notre ville, de nombreux enfants de la ville de Châtenay. On a pu mardi aller les voir et voir à quel point ils étaient heureux de participer à cette SOP, de découvrir certains sports qu'ils ne connaissent pas, de faire le lien avec l'environnement, ce qui est un élément très, très important. Voilà. Et tout au long de l'année, on a, avec notre labellisation Terre de Jeux, bien évidemment, des relations très étroites avec le CREPS, qui est pour la ville de Châtenay une grande chance de l'avoir sur notre territoire. Je pense que la cause du sport mérite effectivement une union totale à tous les étages de l'État français, depuis l'État jusqu'à les communes. C'est absolument indispensable pour promouvoir le sport qui aujourd'hui se dirige à pas de géant vers Paris 2024. Voilà, donc oui, c'est très très important que chaque niveau de l'État soit omniprésent pour le sport.